Les commissariats vont toujours fonctionner. Les brigades de gendarmerie vont toujours fonctionner. Nous avons certains postes en ville. Par exemple, la garde des banques. Vous avez les gendarmes, les policiers qui gardent les banques. On préfère confier ça aux forces de défense et les replier pour renforcer la force 2018. Voilà des postes clés qui seront tenus par les forces de défense. On prend d'abord des mesures générales, mais avec une particularité. À Lomé, il y a certains quartiers où les gens sont sortis pour manifester, où malheureusement il y a eu des décès. Il y a certaines villes de l'intérieur, Sokodé par exemple, où les gens ont voulu braver l'autorité pour manifester. Il y a Bafilo, il y a également un peu Amango, il y a Palimé, il y a Anié. Nous n'avons rien contre ces villes, mais nous voulons rassurer nos compatriotes qui sont dans ces villes, pour que la sécurité sera à leur disposition. L'État mettra les moyens pour les rassurer. Si les gens prennent le risque, ah nous on n'est pas d'accord, on va faire ceci. En ce moment, ils auront la loi devant eux. Et ceux-là qui leur disent de sortir. Il y a des tests dans notre code qui dit quand vous incitez quelqu'un à aller faire des bêtises, non seulement l'exécutant fera face à la loi, vous qui l'avez incité aussi, vous commettez une infraction. J'appelle encore nos compatriotes qui ont décidé d'exprimer ce devoir civique d'aller sans inquiétude. Si même quelqu'un agresse, quelqu'un qui va pour voter, sera identifié. Il ne faut pas que quelqu'un compte, on va aller se cacher dans tel pays, dans tel pays. Le monde est devenu un village. Nous avons de très bonnes relations avec nos voisins. Et sur le plan sécuritaire, nous avons de très bonnes relations. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dise, je vais aller me cacher au Ghana, je vais aller me cacher au Bénin. Dans la foule, on vous ramène et vous allez vous justifier devant le juge. Pourquoi vous avez fait ça? Je demande à nos compatriotes qui ont battu campagne, qui ont participé à la campagne, d'être tranquilles. Je dis, ben, ils vont accomplir leur devoir civique et ils retournent à la maison. S'ils veulent rester le soir pour assister au dépouillement, ils le feront.